Michael Matthews en train de blaguer avec un de ses coéquipiers. Nous sommes à moins de 1 minute, moins d'une minute, mesdames et messieurs, avant le top départ. Ça y est, c'est fait. On observe un petit peu, c'est le moment des dernières réflexions, peut-être avant cette cinquième étape, Saint-Paul, Trois-Châteaux, Salon de Provence, 198 km, avec la première difficulté, bien sûr, au kilomètre 49, et puis l'ascension du Mont Ventoux jusqu'au Chalet-Ménard, ça sera au kilomètre 71, mesdames et messieurs. Qu'en est-il de cette étape? Est-ce qu'il s'agira du Grand Varou? Est-ce qu'il y aura les acteurs majeurs du classement? Allez, courage, hein. On va avoir les réponses à ça, et bien plus encore d'ici quelques minutes, quelques heures à suivre, bien sûr, et ensemble, nous allons pouvoir décompter, public de Saint-Paul, Trois-Châteaux. On va emmener le peloton de Paris-Nice à partir de maintenant jusqu'au top départ. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, go. C'est parti! Le top départ qui vient d'être donné par monsieur le premier adjoint au maire de Saint-Paul-Trois-Châteaux, Daniel Rollet, qui vient d'aller le bâton. Et ils sont partis, mesdames et messieurs. La longue quête de 198 km commence. Saint-Paul-Trois-Châteaux, Salon de Provence, avec cette équation à plusieurs inconnus. Qu'en sera-t-il véritablement concernant le dénouement de cette cinquième étape? Le classement général évoluera-t-il en ce qui concerne les trois premières places? On le saura bien sûr dans les heures à venir.